Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette magnifique forêt, tu vois. Moi, un peu déboisé, hein, voilà, j'ai du mal à trouver une forêt où l'homme n'est pas encore passé. Voilà, vers chez moi, ça dézingue pas mal. Il y a encore plein d'arbres là qui sont marqués, voilà, futur arbre coupé. Bon, c'est comme ça. Donc, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, en fait, c'est d'un grand changement, une décision importante que j'ai prise justement il n'y a pas très longtemps, suite à une phrase que je voyais en fait qui était redondante dans ma vie depuis quelques mois. Il y avait cette phrase qui apparaissait, une phrase de Gandhi qui dit "Sois le changement que tu veux voir dans le monde." Et ça apparaissait beaucoup dans ma vie. Et je me suis dit, mais c'est quoi mon rêve de gosse? Tu vois, ça m'a renvoyé à mon rêve de gosse. Quand j'étais gamin, en fait, pour la petite histoire, je disais, c'est quoi ce système, tu vois? Moi, j'ai été élevé en partie d'un côté avec la connaissance de soi, et de l'autre côté, j'ai développé une certaine passion pour la politique. Et en fait, je demandais, c'est quoi ce système? Pourquoi est-ce qu'on ne change pas de système, tu vois? Et on me répondait, mais on peut pas changer de système. On me disait, c'est comme ça, c'est tout, il faut y faire. Et je me disais, mais si, on peut forcément changer de système, il y a forcément des solutions qui existent, quoi. Et je rêvais d'un monde meilleur, je rêvais d'un monde meilleur, un monde de paix, un monde d'amour, de partage, d'entraide, un monde où est-ce que l'argent ne gouverne pas tout, en fait. L'argent est juste une monnaie d'échange. Simple, une simple énergie, une simple monnaie d'échange, et puis voilà, on est ensemble et on s'entraide ensemble, on partage ensemble. Je rêvais de ça. Et c'était un rêve utopique, tu vois, mais un beau rêve de gamin, quoi. Et je pense que beaucoup de gosses, hein, comme moi, rêvaient d'un monde meilleur, un monde de paix, d'amour. Quand on est gamin, on se dit, mais aimer, c'est simple, en fait, tu vois. Et voilà, et donc ça m'a. C'est resté en moi comme ça, toute ma vie. Et puis il y a cette phrase donc qui venait là récemment, depuis quelques mois, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je me suis dit, comment est-ce que je gagne ma vie? Qu'est-ce que je propose? Je propose d'accompagner des gens et puis ils me payent en échange. Donc en fait, je me nourris finalement du malheur des autres. Parce que si demain tout le monde va bien, j'ai plus de boulot, tu vois. Mon travail n'a plus de sens. Et il y a un truc qui m'a dérangé là-dedans parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de moi-même cautionner ce système. Ce système que, quand j'étais gosse, je disais, non, c'est pas bien. C'est pas cool comme système. Alors, du coup, j'ai pris une décision. J'ai décidé de fermer mon entreprise et de proposer mes services gratuitement. Je me suis dit, ok, c'est un challenge, hein. Voilà, je vais bien voir comment ça se passe. J'ai déjà bossé gratuitement pendant des années, je proposais mes services comme ça, gracieusement, j'accompagnais des gens de plein de manières différentes. Je l'ai fait longtemps, jusqu'au jour où est-ce que je me suis dit, vas-y, j'en ai marre de faire d'aller à l'usine et travailler pour quelqu'un d'autre, et puis j'ai envie de gagner ma vie. L'idée, c'était ça. Écoute bien, j'ai envie de gagner ma vie en accompagnant des gens. Gagner ma vie en accompagnant des gens. Et en fait, c'est en décalage avec mes idées de gamin, tu vois, mes valeurs de gosse, mes valeurs profondes, en fait. Donc, je me suis dit, bah écoute, je vais fermer la boîte et je vais proposer mes services gratuitement. Je vais faire comme avant, mais en un peu amélioré. C'est-à-dire que voilà, maintenant sur le site, osevivretavie.formator.io, maintenant sur le site, il y a moyen de faire un don. Soit par Tipeee, soit par PayPal. Il y a les liens aussi dans la description de la vidéo, hein, pour celui que ça intéresse. Donc, je propose mes services en échange de dons, gratuitement. Voilà, celui qui veut me filer quelque chose, il me donne un truc. Voilà, celui qui veut rien me donner, il me donne rien. C'est ok, il n'y a pas de problème.
Voilà. Moi, mon job, c'est d'accompagner vers la lumière, c'est de guider mon prochain justement vers sa lumière, d'être en paix, d'avancer comme ça ensemble vers ce monde d'amour, de partage et d'entraide. Ok, j'ai envie vraiment d'avancer là-dedans et je crois que c'est important d'abandonner certaines choses, d'accepter d'abandonner certaines choses, en tout cas pour moi, pour accéder à quelque chose de bien plus essentiel. Donc on est dans une ère de changement, hein, on s'en rend bien compte. Il y a deux mondes qui se séparent, j'en ai déjà parlé. Hein, on voit, moi en tout cas, je le vois très clairement. Hein, voilà, je vois toutes ces personnes qui s'enferment dans l'ombre et qui crient leur souffrance. Mais je veux rester justement dans ma lumière, tu vois, et la main tendue. Et le premier qui veut choper cette main, bah, je veux qu'il puisse la choper sans se poser de questions. Ouais, mais est-ce que je peux payer, machin, sans se créer de freins, des freins de merde en fait qui servent à rien, tu vois. Des faux prétextes. Donc je veux supprimer les faux prétextes. Et voilà, et allons tous ensemble vers ce monde si lumineux, si paisible, où la vie est tellement agréable. C'est tellement autre chose. Donc voilà, concrètement, je propose maintenant mes services d'accompagnement gratos. Ou en don libre, si tu veux faire un don, t'es libre. Voilà, don libre. Et aussi, c'est pareil pour les formations. J'avais deux formations sur mon site internet. Maintenant, je les propose gratuitement. Avant, elles étaient à 30 euros et 90 euros. Maintenant, elles sont 0 euros, gratos. Voilà. Tu viens, tu cliques, tu t'inscris, voilà. Et tu suis la formation ou pas, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et si tu as envie de faire un don, pareil, tu peux sur le site. Il y a les liens, tu cliques, tu fais un don. Si tu n'as pas envie, t'en fais pas. C'est pas grave. Tu fais comme tu veux. L'argent, c'est qu'une énergie, c'est qu'une monnaie d'échange. Et c'est pas ce qui gouverne le monde, c'est pas ce qui gouverne le cœur. Tu vois ? Donc voilà, il y a aussi la newsletter. Bon, ça, c'était déjà gratuit avant, mais ça l'est toujours maintenant. Les vidéos YouTube, ok. D'ailleurs, je salue les nouveaux abonnés, puisque même si je poste pas de vidéos de façon aussi récurrente que ce que j'ai pu faire... par le passé, je vois que ça continue d'augmenter. Il y a encore des gens qui viennent s'abonner et tout en plus. C'est vachement, c'est génial. En même temps, avec plus de 200 vidéos, ça va. Je commence à tourner. Je me rends compte que dans le moteur de recherche de YouTube, je commence à apparaître un peu plus, quoi. Voilà. Donc c'est chouette. Voilà. Donc l'info du jour, c'est ça. C'est que maintenant, il y a plus d'entreprise. Il y a plus de je gagne ma thune sur ton dos parce que tu vas pas bien, bah, viens m'enrichir, en fait. Hein. Maintenant, il n'y a plus de ça. Maintenant, c'est uniquement, viens, regarde, il y a de la lumière, tu vois, c'est merveilleux. Et moi, je peux t'accompagner vers ça. Je peux vraiment t'accompagner vers ta propre lumière, en fait. C'est mon job, je suis là pour ça. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux faire appel à mes services, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, il y a plein de liens vers le site internet. Je ne sais plus s'il y a mon numéro de téléphone, mais de toute façon, pire, tu vas sur le site, il y a mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu prends contact avec moi, donc on prend rendez-vous et puis voilà, c'est parti. Et si tu veux me donner un truc, tu me donnes un truc, tu veux pas, il n'y a pas de souci. J'ai fait en sorte aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « oui, mais combien est-ce que je peux donner, etc. » Voilà, alors je propose... sur les pages de dons, ok, donc Tipeee et PayPal, je propose des options. Est-ce qu'on peut cliquer soit sur une somme qui est déjà proposée, ok, ou sinon tu peux faire un don libre du montant que tu veux. Voilà, c'est simple. Tu vois, j'ai essayé de simplifier la chose de manière aussi à déculpabiliser les gens, puisque je sais par expérience, de par le passé, il y avait des personnes qui me disaient non, mais moi j'ai pas vraiment de sous, alors je veux bien que tu m'accompagnes, j'ai envie, mais en même temps je sais pas combien je vais te donner, tout ça, tu vois. Alors là, j'ai fait en sorte que ce soit plus léger, plus facile, ok, pour toi. Voilà. Voilà. Et voilà, et c'est tout.
Bon bah écoute, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vais la revisionner quand même parce que je sais pas si elle va me plaire. Peut-être que j'en ferai une autre. J'en sais rien. Bon, toujours est-il que t'as compris l'info et je te souhaite le meilleur. Ose vivre ta vie. Prends soin de toi. Prends vraiment soin de toi. Ouvre ton cœur à toi-même et laisse l'être extraordinaire et merveilleux que tu es s'exprimer. Vraiment. Je t'aime. À la prochaine. Ciao.